On doit se réveiller et crier très fort pour savoir que le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas l'ancien monde. Et ce n'est pas un pays, une personne, une race qui n'existe pas. Race n'existe pas. On dit raciste, mais race n'existe plus. Alors, une ethnie, un peuple, un pays, vous disiez, un mouvement qui gère le monde, non, ça c'est terminé. Ce n'est pas ça, mes amis. Lavez-vous votre visage et vos yeux et regardez de nouveau la haine que vous avez certains. La haine, comme on a eu 7 millions, 6 millions de victimes, d'une ethnie seulement, il y a déjà presque 70 ans, ça vous devez l'abandonner. Puisque moi, je le vois de temps en temps. Regardez, imaginez-vous, si en addition les votes d'extrême droite, ça arrive à environ 30%. Ça, c'est dangereux pour le pays. Pour la France, c'est dangereux. La France, une grande puissance humaniste dans le monde, voyez, Révolution française, et toutes les cultures mondiales qui a donné, la France, il a donné. Alors, plus de 30% des jeunes extrêmes droite, c'est grave. Alors ça, c'est peut-être puisque ça concerne l'éducation et l'information. Une grande partie de vous, vous avez dans votre tête, et comme quoi c'est les Juifs qui gouvernent, c'est les francs-maçons qui gouvernent, patati patata. Mais vous savez, moi je ne crois pas à ça. Et je vous avais déjà dit, tout a été changé, surtout récemment, dans le Nouveau Monde. Par exemple, j'avais déjà dit, je vais vous préciser. Vous savez, l'argent, qui est très important dans n'importe quelle époque du monde, l'argent, c'est très important. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent. Vous êtes fort si vous avez l'argent. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Sans l'argent, vous n'êtes rien. Si Poutine, il n'avait pas assez d'argent, il ne pouvait pas attaquer. Depuis des années, il est en train de ramasser de l'or, stocker aussi des dollars. Il n'était pas con que quand il va attaquer, il va avoir besoin de l'argent. L'or, il est 4 fois plus de ce qu'on avait à l'époque de l'Union soviétique. Pour ça, ce monde-là n'est pas comme le monde ancien. Par exemple, le franc-maçonnerie, je vous dis franchement, non, franc-maçonnerie n'a plus un rôle assez important dans la direction du monde. Ni le judaïsme, ni les juifs. Imaginez-vous seulement, et allez-y, faites des enquêtes. Je ne veux pas vous dire quelque chose bidon. Actuellement, faites des enquêtes, vous allez voir. L'argent du monde, la plupart, ça vient de pétrodollars. Pétro, on vend de pétrole, on ramasse de dollars. Et voilà, on l'investit. L'argent que les gens de Sahara, des déserts, ils gagnent de leur pétrole, ils ne vont pas enterrer dans le désert. Ils l'investissent en Europe et en Amérique et dans le monde entier. Plupart des banques européennes, l'argent qu'ils ont, c'est l'argent de pétrodollars. Et c'est la force. Et ce sont eux qui gèrent. Actuellement, je veux vous dire une chose, notez bien ça, notez bien ça. Si les pays arabo-musulmans, exportateurs de pétrole, qu'ils ont la majorité de la direction du monde, surtout le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est le digital, c'est Tesla, c'est Amazon. C'est Uber. C'est tout ça, vous voyez? C'est Bill Gates.
Et tout ça, ce n'est pas comme avant. L'argent, tous ces gens-là, ils travaillaient dans leur garage. Ils travaillaient dans leur parking. Uber, Khosrow Shahi, c'est un Iranien qui est le patron. Quand son père il a quitté l'Iran après la révolution, il n'avait rien de tout. Mais il a su comment on peut gagner. Il était tellement riche en Iran, beaucoup de compagnies. Son père, le père de Khosrow Shahi, patron de Uber. Alors, lui-même, il a pu fabriquer sa vie, reconstruire sa vie. Et son fils, maintenant, il est patron de Uber. Mondial en Amérique. eBay, vous connaissez eBay. Pierre Omidyar, c'est un Iranien qui l'a fondé, il l'a vendu maintenant, c'est lui. Kordestani, patron de Twitter, directeur de Twitter, Kordestani, Omid, c'est un Iranien. Il a commencé avec zéro, il était chez Google, vous voyez. Après maintenant, il est chez Twitter. Tous ces gens-là, les nouveaux riches du monde. Et tous ces gens-là, en plus, je vous dis une chose, ils sont iraniens, mais ils travaillent avec des pays arabo-musulmans, avec l'argent d'arabo-musulmans, surtout l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats. Ils travaillent avec l'argent de ces gens-là, vous voyez. Si vous cherchez, vous allez voir les photos de ces gens-là, avec Mohammed bin Salman, avec des autres et tout ça. Les gens qui travaillaient dans leur garage, ce n'était pas tout George Soros. Il n'a pas donné tout, même si George Soros il a donné l'argent, ce n'était pas de sa poche. C'était l'argent, parce que c'est une maison de financement qui a fondé. C'est vrai qu'il a gagné 2 milliards de dollars en 1992 de la caisse des Britanniques. 2 milliards de dollars, sur 24 heures il a gagné. Mais il a une maison de finance à part de tous les mouvements qu'il a. Cette maison de finance, c'est vous qui vous mettez votre argent là-bas et vous gagnez de l'argent. Et cet argent, c'est l'argent de pétrodollars. Pour ça, sortez ça de votre tête que c'est les juifs et les francs-maçons qui gouvernent le monde. Terminé. C'est maintenant Arabie Saoudite. Voilà, je vais vous dire clairement. Arabie Saoudite, il a un rôle assez important dans la direction du monde économique, politique, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire même Israël actuellement, s'il travaille avec le pays arabe, parce qu'il est en paix actuellement, conflit israélo-palestinien, arabo-israël, c'est terminé. N'existe plus. Vous le savez ça ou non? Puisque vous êtes énormément emprisonné dans votre coin, que vous ne savez pas qu'actuellement, que je suis en train de vous parler avec vous, il y a des touristes israéliens qui viennent dans le golfe Persique, dans les pays arabo-musulmans du golfe Persique, et qu'il y a des ambassades d'Israël dans tous ces pays-là, des relations comme Paris, Israël. Il y a avec ces gens-là. Ça, vous ne le saviez pas. Voilà, on va voir c'est qui déjà. Bonsoir, c'est qui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ne quitte pas Farid. Voilà, en plus, il y en a. Farid avec nous, vous voyez? Farid. Farid, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Farid, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, alhamdoulilah. Et toi, comment vas-tu? Ça va, grâce à Dieu. Tu peux dire Alhamdoulilah? Non, non, parce que Allah, ce n'est pas mon Dieu. Ah bon? Ah oui, oui. Allah n'est pas le Dieu. Je t'avais déjà dit, Allah n'est pas le Dieu. Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Rab al-Alamin. Allah, ah bon, c'était les statues. Non, non, attends. Puisque tu m'as posé la question, punaise. Allah, c'était les statues, le grand des statues qui était dans le Mecque. Et avant l'islam, les gens, ils adoraient cette statue, il s'appelait Ilah. Après, on a rajouté Aleph Ilah, il est devenu Allah, et comme Al-Farid, Farid al-Atrash, toi, voilà, ouais. C'est pour ça, Allah n'est pas le Dieu, j'avais dit ça depuis 40 ans, mais jamais vous l'avez... Comment il s'appelle ton Dieu, toi?
Rap, si tu connais en arabe ou en français, en quelle langue? L'audio en arabe, ça veut dire Rabbel Non, mais Alamin. c'est pas grave. Dieu, c'est Dieu pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. Mais C'est tu ne Dieu. peux On pas l'appelle. dire Satan et te dire que On Satan, c'est le l'appelle comme on juif. veut, on s'en fout. Farid, Il y en a qu'un, il n'a pas 50. Farid, mon ami, tu ne peux pas dire que le Dieu, il s'appelle Satan ou Shaitan ou Iblis, après te dire le Dieu pour tout le monde. Non, le Dieu, son nom, même en arabe, que c'est Mais la Dieu, il langue. n'a pas de nom, il s'appelle Dieu, c'est tout. Voilà, le Dieu. Voilà. Non, Il n'a pas de si nom, tu il n'a pas veux. de nom. Voilà. Toi, tu t'appelles David, moi, je m'appelle Farid, mais en fait, on est des humains. Voilà, bravo. Bon, eh ben, on est des créatures de Dieu. Bravo. Voilà, c'est comme ça que Bon, j'aime bien quand tu parles. ben voilà, on Laïque, arrive à être d'accord. rationnel. Maintenant, bon, Oui. j'appelais pas ça pour ça. J'appelais pas pour ça. Tu sais bien que je suis un agnostique, moi, je m'en fous. Voilà, je sais. Ouais, De temps en temps, bon. tu veux m'embêter, c'est tout. Mais Vas-y. c'est pour t'embêter, oui. Mais quand même, je remarque une chose. Tu dis que tout ça vient de la faute des pétrodollars, et les pétrodollars, ce sont les musulmans, voilà. Non, Mais j'ai n'oublie pas pas dit une ça. chose. Ah, écoute, je t'arrête tout de Si, suite. c'est ça que tu as dit. Non, je dis dans la direction du Je dis, monde. c'est pas les juifs, c'est Non, pas ceci, c'est pas cela, écoute. c'est les Je dis dans arabos, la les pétrodollars. direction du monde, les pays pétrodollars, ils ont une part assez importante. Oui, non, Voilà. mais l'argent, c'est important. Voilà. Mais qui décide dans le monde? Ce sont ceux qui ont la Après force. Qui c'est qui a la force? pétrodollars, c'est Attends, le laisse-moi Grande-Bretagne. C'est le parler. Grande-Bretagne. Tu me laisses t'as parlé pendant 2 heures, là. D'accord, vas-y, Dis-moi, tu vas-y, me laisses vas-y. pas, même pas 2 minutes. Tu me coupes. Moi, je te dis, la force, c'est ceux qui ont la technologie, ceux qui ont la bombe atomique, ceux qui ont le savoir technologique. Et les Arabes, ils dépendent, toutes les armes qu'ils ont, elles viennent de l'Occident. Eux, ils ont que des sabres et des épées. Donc, il ne faut pas dire que c'est eux qui dirigent. Ils ont de l'argent, mais si ils ont de l'argent, peut-être que si les Américains ou les Européens ne les soutiennent pas, il y a longtemps qu'ils ne seraient plus au pouvoir. Ils sont maintenus, soutenus par l'Occident. Donc, la vraie direction du monde, c'est l'Occident. Maintenant, je ne parle pas des peuples, je parle des dirigeants. Moi, j'aime beaucoup la France et les Français. J'aime beaucoup les Européens. J'aime beaucoup les Américains. Je parle des peuples. Ce que j'aime pas, ce sont leurs dirigeants. Les multinationales, les banquiers, le système capitaliste, voilà. Et moi, je suis un nostalgique de l'URSS. Voilà. Donc, si tu veux parler de maintenant, s'il n'y avait pas la bombe atomique, il y a longtemps qu'il ne serait jamais intervenu, ni en Irak, ni en Syrie, ni en Libye. S'ils n'avaient pas la technologie, ils ne seraient jamais intervenus. Donc, celui qui intervient, ce n'est pas celui seulement qui a de l'argent, c'est surtout celui qui a la force militaire. Et la force militaire, les Arabes ne l'ont pas. C'est la force qui commande. Donc, il ne faut pas dire c'est le pétrodollar. Qui c'est qui extrait le pétrole? Tu crois que c'est les Arabes, les musulmans qui l'extraient? C'est les Total, c'est les. Toutes les compagnies pétrolières ne sont pas ni arabes ni musulmanes. Elles sont occidentales. C'est eux qui l'extraient le pétrole. C'est eux qui ont de la technologie pour le faire. Donc, il ne faut pas inverser la vérité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je te laisse parler, hein, je te laisse parler. Non, 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 mais je te pose la question. Moi, Alors, j'essaie je dois vous donner d'être mes impartial. explications, hein, je ne suis pas là pour que toi, tu m'interroges, oui ou non, voilà. Non, les gens qui ont le savoir technologique, c'est plus fort que tout l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu es bête, tu feras pas ce que tu veux. Ce sera celui qui te défendra, qui te dira, je te soutiens. Toi, tu as le pétrole, je te soutiens, mais tu sais pas l'extraire. Moi, je sais l'extraire. S'il n'y a pas les technologies des Occidentaux, ils sont incapables de sortir leur pétrole, ni leur gaz. D'accord? C'est vrai ou pas? Farid, c'est ça que je dis.
C'est ça, la moitié, peut-être pour ici plus, là-bas plus, c'est l'argent, la moitié, c'est la tête, c'est la technologie. Voilà, Oui, c'est mais ça que quand j'ai tu dit. dis Mais je paie seulement trop de toi et dollars, toi. tu dis c'est les musulmans, Alors, les écoute arabes aux encore. musulmans, Ouais. c'est faux, c'est Non? faux. Ah, toi-même, tu viens de dire ça. Écoute, je peux te poser une question, monsieur Farid. Est-ce Bah, que bien tu es sûr. d'accord que l'argent, c'est arabo-musulman qu'ils ont, la tête et technologie, c'est l'Occident qu'il a. C'est ça que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Absolument. Merci beaucoup. Merci. C'est ça que moi, je suis en train de dire. 50-50. Ah, on va pas dire qui 55-45. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais seulement pourquoi jamais tu ne veux pas accepter les choses justes. Je te dis, c'est Écoute, l'argent de. Attends, écoute-moi, attends, 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 écoute-moi. attends. Peut-être que moi, je suis pas un intellectuel comme toi. Moi, je te parle avec mon cœur et ma raison. Alors, j'ai mes limites. Je prétends pas avoir la vérité, mais je te dis moi comment je pense les choses. Je ne dis pas que les Arabes sont des gens bien, que les musulmans c'est des parfaits, mais je sais une chose, c'est que sans l'aide des Américains et des Européens, les Arabes, ils seraient encore avec leur chameau. Donc, ils pourront jamais avoir une puissance. Maintenant, si on était à l'époque des épées, du sabre, ah ben, les Arabes avaient dominé pendant très longtemps, même une partie de la Russie, la Hongrie, l'Autriche, et beaucoup, beaucoup de machins. Ils ont fait des conquêtes. Mais quand la technologie est arrivée, tout s'est inversé. Donc, la force, elle est du côté de l'intelligence technologique. Elle n'est pas du côté de l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu ne sais pas t'en servir, celui qui a les armes, c'est lui qui te commandera. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Il te met un pistolet sur la tempe, toi, tu as une épée. Il va te dire, avec ton argent, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Tu vas dire, moi, je ne veux pas, mais prends ton argent. Tu sais, comme il y en a un qui a dit, tu peux avoir tout l'argent du monde, s'il n'y a plus rien à bouffer sur la terre, tu peux pas manger les billets et les pièces, ni l'or. Donc l'argent, c'est juste un moyen. Mais le plus important, c'est la force. Et la force, les Arabes ne l'ont pas d'un point de vue technologique. Je ne parle pas d'un point de vue à l'époque où il y avait des sabres et des épées, et des arbalètes. Là, les Arabes étaient les plus forts. Pendant quelques temps, bien sûr, parce que c'est un cycle. Pendant un moment, ils étaient même en intelligence, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, ils étaient forts. Mais maintenant, ils sont les derniers comme les bourricots. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, je reconnais. Mais faut pas dire que c'est les Arabes qui dominent le monde. Les musulmans, ils dominent rien. Ils sont dominés. Et les Africains aussi. Donc, maintenant, pour ce qui concerne le conflit qui est actuellement, Je peux te poser moi une je pense question? que. Je peux te poser une question quand même ou non? Oui, bien sûr. Merci. Alors, quand tu dis que, oh, ils ne sont pas dominés, dominants, patati, la question c'est ça. Est-ce que, par exemple, tel pays arabo-musulman, pays X, avec l'argent qu'il a, avec 50% de participation dans les technologies européennes ou occidentales qu'il a, est-ce que ce pays-là, au moins, il peut profiter de rester au pouvoir ou non? Non, 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 non. la question, écoute, réfléchis, tu me réponds oui ou non. Est-ce que, quand même, avec cette collaboration qu'il a, tu te dis qu'il n'a pas la tête, mais il a l'argent. L'autre côté, il a la tête. Mais pourtant, sa tête, est-ce que ça fonctionne bien pour garder son pouvoir grâce à l'argent qu'il a? Regarde Je combien te dis d'années que ils sont au l'argent, ça pouvoir dans fait les pas tout dans la pays vie. arabo-musulmans. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de Et il vaut mieux les avoir élections. l'intelligence que l'argent. Pardon? Il vaut mieux avoir l'instruction et Non, l'intelligence ça que c'est autre l'argent chose. dans ce monde. Ça ne répond pas à la question de David Abbassi. Je te pose une question. Tu dois réfléchir sur la question, Monsieur Farid. Que toi, tu dis que tu n'es pas intellectuel. Tu dois réfléchir sur la question. On va pas. L'argent qu'ils ont et leur participation dans les progrès scientifiques de l'Occident, au moins, il permet à ces gens-là de rester en pouvoir.
et donner, ne pas faire des bêtises et médiatiques contre ces gens-là. Non, voilà. Comme Khashoggi, par exemple, en coupe en morceaux, Adnan Khashoggi, tout a abandonné, oublié. Mais par contre, si en tout, même pas en tout. Écoute-moi, David, écoute-moi. Tu me rappelles une publicité. Il faisait à la télévision une publicité sur un produit pour le lave-vaisselle. Et il y avait le bonhomme... Monsieur Prop, je sais. Non, pas Monsieur Prop, c'est le lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Pour laver la vaisselle. La machine à laver la vaisselle. D'accord. Et il disait que c'est un bon produit et tout ça. Et puis le bonhomme avait pris un verre dans un couple. Le bonhomme, il a pris un verre, il a dit à sa femme, regarde ton verre, il n'est pas propre. Elle lui dit, non, c'est pas le verre qui est pas propre, c'est tes lunettes qui sont sales. Ah, ça, c'était joli, hein. J'ai jamais vu ça. Ah, ben voilà. Donc, si tu c'est tes lunettes, alors tu dois changer tes lunettes, Farid. Oui. Tu mets des lunettes, toi? Non, malheureusement, je peux pas porter de lunettes. J'ai une maladie des yeux, moi. Ah. Qui est une maladie orpheline. Ah, d'accord. Ça se guérit pas ni avec des lunettes, ni avec rien. Et ça m'handicape beaucoup. Et malheureusement, voilà. Bon. C'est une maladie qui est dégénérative. Et ça me gêne beaucoup, beaucoup. Mais bon, je fais avec. T'as pas essayé d'aller en Israël et te soigner là-bas? Ils sont forts, très forts pour les yeux. Ah, moi je suis prêt à aller n'importe où. Hein. Vas-y, même chez le diable. Tu peux aller en Israël, on va te soigner là-bas. C'est sûr et certain. Ah bah pourquoi pas. Je suis allé à l'hôpital Rothschild. Non, en Israël. Alors, tu dis qu'il t'envoie là-bas, il va faire une opération. Moi, quand je te dis, je suis prêt à aller partout où il y a des gens humains, qu'ils soient religieux, athées, bouddhistes, juifs, musulmans, chrétiens, ça m'est égal. Moi, je ne fais pas de différence. Moi-même, je suis un agnostique. Je n'ai pas d'étiquette. Je suis de culture musulmane, puisque voilà, j'ai né en Algérie, dans un pays, mes parents, et ainsi de suite, et mon environnement. Mais avec le temps et l'âge, je me suis dit, d'abord, j'ai pas étudié déjà pour commencer, je me suis dit, moi, je regarde pas la religion, je regarde le cœur de l'homme, son cœur. Si c'est un humaniste ou pas, c'est tout. Je m'en fous qu'il soit de n'importe quel pays, n'importe quelle couleur. J'ai pas de préférence. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc j'ai pas un parti pris parce que moi je m'appelle Farid, forcément je vais défendre mes co-religionnaires ou compatriotes, je m'en fous. Moi je défends, je peux me tromper, hein, je défends tout ce qui est humain. Humain, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a des sensibilités, qui est humaniste, qui a du cœur, qui a un peu de la raison, qui ne cherche pas à devenir le plus fort, le plus riche, et qui ne veut pas soumettre les autres comme des esclaves. Et voilà, moi je suis un peu ouvrier dans l'esprit. Je suis ouvrier, bon, je n'ai jamais été un intellectuel, hein. J'étais un ouvrier. Et je me suis toujours battu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des riches, mais dans certaines limites, comme dirait Mélenchon, 20 fois le salaire de base, c'est déjà pas mal. Pourquoi avoir un milliard de 50 ou 500 milliards? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Pourquoi faire? Ça s'appelle l'orgueil, parce qu'il ne bouffera jamais. Moi, je veux bien un système où il y ait des pauvres et des riches, mais jusqu'à une certaine limite. Et je te dis, je parle non pas parce que je suis frustré, parce que même si j'étais ouvrier, je me suis bien défendu et je vis largement bien. Alhamdoulilah. Donc, je parle pas comme quelqu'un qui est jaloux. Je ne suis pas jaloux, je vis bien, je suis propriétaire, mes enfants ont fait des études. Donc, je parle pas d'un point de vue parce que je suis en manque, je manque de rien. Donc, je parle de mon cœur. Et la politique, c'est la gestion pour vivre en paix les uns avec les autres. Mais malheureusement, il y en a qui sont plus gourmands et qui veulent soumettre les autres. Et jusqu'à présent, ceux qui soumettent, ce sont ceux qui ont la force. Et ceux qui ont la force, ce n'est ni les Africains ni les Arabes.
il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Européens.